La règle de base, jouer en équipe, en véritable équipe, ne pas oublier ses partenaires. Toutes les conditions sont réunies pour qu'on ait un beau spectacle. A priori, on ne devrait pas s'ennuyer. Ballon envoyé en hauteur. Tout près de la cage. Pas de doute, corner à leur faveur. Le ballon est dans les airs. Et c'est dégagé. Elle est fou. Il décoche un tir. Bonne sortie du gardien. Gelé. Van den Borre. Encore une belle occasion. Il se défend bien. Voilà, belle occasion de but. C'est un tir brossé. Que va-t-il faire maintenant? C'est pas mal sur le plan défensif. Bien vu. Oh, il y a un bon coup à jouer. Nouvelle occasion de centrer. Tranquille pour le gardien. Van den Borre. Un exemple parfait de changement d'aile sans effort. La balle change de propriétaire. Attention, il frappe. Il a fait le geste qu'il fallait et le gardien était battu, mais pas le poteau. Ils reprennent le ballon. C'est vraiment loin d'être cadré et c'est le moins que l'on puisse dire. Et si la défense ne fait pas un pressing plus haut sur les attaquants, je peux vous dire qu'il va y avoir des tirs qui vont partir de tous les coins du stade. Cette attaque ne donnera rien. El Pouffo. Van den Borre. Joli. Bon, Joli. La défense est malmenée sur le côté. Bien vu. Encore une belle occasion. Dans la surface de réparation. Et but ! Ils sont bien rentrés dans ce match. C'est toujours important de marquer au début.
Il a eu raison de mettre le pied droit dans la finition. C'est le geste parfait, c'est ce qu'il va le faire. Il a eu raison de ne pas hésiter. Écoutez la réaction du public. Les supporters sont super déçus et ils le font savoir. Ils ont pris de l'avance 1-0. L'attaque ne donnera rien. Il choisit de jouer long. Nouvelle occasion de centrer. Tentative de la tête. Oh non ! Le deuxième encaissé ! Le deuxième encaissé en l'espace de quelques minutes. Il faut rester concentré. En tous les cas, Christian, avec ce but de la tête, on ne sera pas venu pour rien. On a même oublié dans notre commentaire que ce joueur, il avait les pieds en croissant. Une avance de 2 buts maintenant. Ils n'ont pas manqué de précision et de talent devant le but. Hein. Et les supporters, on sent qu'ils apprécient. Hein. Il ne faut pas qu'ils aient trop de confiance non plus. Hein. Là, c'est carrément parti au poteau de corner. Ah, le gardien est resté droit jusqu'au dernier moment. Il a fait déjouer dans le dernier geste. Peuvent construire quelque chose. Oh, un défenseur à l'attaque. Nouvelle occasion de centrer. Le ballon circule, il n'y a pas de problème, mais il faut concrétiser ses mouvements. Il lui a piqué le ballon. Attention en défense, ça va aller très vite. Allez, ça doit aller au fond. Le tir est décoché. Le ballon est détourné. Corner. Chandelle. Il est dégagé. C'est dégagé. Bonne lecture du jeu, il prend le ballon de la tête. Ils se remettent à attaquer et ils ont bien raison, il faut vraiment tenter quelque chose pour rester dans le match. Directement dans les gants du portier. Excellente tête. Aucune difficulté pour le goal. Bonne lecture du jeu. Il prend le ballon de la tête. Au niveau de la circulation du ballon, il n'y a rien à dire. Mais maintenant, il faut être super réaliste. Encore une belle occasion. La menace est écartée. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. Une très longue passe. Remise en jeu à leur faveur. Que vont-ils faire ? Superbe tête. Oh, le tir rase le montant droit. Et là, c'est vraiment dommage. C'est le centre parfait. Il suffit simplement à l'attaquant d'avoir le bon timing et juste de la toucher.
passe en plein dans la défense. Hors jeu s'il n'y avait pas l'arbitre. Rien à dire sur ce tacle, dit monsieur l'arbitre. Gelé. Il a mis le pied sur le ballon. Bonne réaction de la défense. On assiste à des séquences de jeu absolument magnifiques. Ça va peut-être finir par rentrer. La frappe est décochée. Le portier l'a attrapé. Vandenborre. Gelé. La balle n'est pas passée. Joe Bryan. Oui, la passe arrive à destination sur l'aile. Joe Bryan. Il ne se précipite pas, c'est presque un jeu à l'italienne. Le ballon circule bien. Que c'est beau, c'est 1-2. Nouvelle occasion de centrer. C'est maintenant une remise en jeu. Nous avons presque atteint les 30 minutes de jeu. Bonne interception, on peut relancer. Sur le plan tactique, le ballon circule bien. Vont-ils déclencher une attaque? On va le savoir dans quelques secondes. Il lui faut de l'espace. Ballon intercepté par le défenseur. Bataille pour le ballon dans la surface de réparation. Un but, c'est au fond. Quel départ canon, il mène 3-0. Et même si la défense a fait une erreur de marquage sur ce but, on a vraiment l'impression quand même qu'il frappe plus fort de la tête qu'avec les pieds. Ce but va sans doute peser lourd. Avec un tel retard désormais, ça s'annonce très compliqué pour les autres. Trois buts à rien, c'est du bon boulot. Voilà, ils sont complètement en train de se balader. Des occasions, en veux-tu, en voilà. Là, ils semblent concentrés, les affaires sont faites. Le seul bien. Tranquille pour le gardien. Allez. 30 minutes à l'horloge dans la première mi-temps. Joli. Joli dédoublement. Ça ne fonctionne pas. C'est sympa de voir des défenseurs jouer avec autant de justesse sans vraiment paniquer. Vandenborre et Julie. Vandenborre. Ils n'ont pas souvent le ballon, mais toutes les occasions sont bonnes à jouer. Encore une occasion de centrer. Il faut qu'il marque ici. Ça peut faire mal sur cette rentrée en touche. Ils peuvent construire quelque chose.
Vandenborre. Joe Bryan. Oh, ça va vite. Il doit tromper le gardien. Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Amorti de la poitrine. Eh bien, le défenseur a le ballon maintenant. Ce contre peut être redoutable. C'est bien fait en profondeur. Quelle frappe! L'entraîneur ne doit pas être très content. Ah, c'était bien fait. Il a tout enchaîné comme il fallait. Il a frappé. Il a simplement manqué le cadre. Un ballon gagné. Ne jamais oublier de jouer le ballon, pas le joueur. Cette passe n'est pas arrivée. Encore une occasion de centrer. Facile pour la défense. Dans 5 minutes, l'arbitre va renvoyer les équipes au vestiaire. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Encore une belle occasion. Ils n'arrêtent pas d'attaquer. C'est un vrai régal. Ils vont peut-être en marquer un autre. Il est tout près des buts. Attention les défenseurs, il faut revenir. C'est un défenseur qui est venu prendre le ballon. Joe Bryan. Ils ont le ballon et ils le gardent. Il a trouvé le décalage. Pas de souci pour le gardien sur cette action. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. La frappe est décochée. Et voilà une occasion qui mène à rien. Et malgré son défala, il a quand même raté le cadre de peu.
O'Brien. Ils peuvent construire quelque chose. L'entraîneur commence à avoir peur. La zone de jeu est dangereuse. Il faut pouvoir écarter ce ballon. Le ballon est toujours sous contrôle. L'arbitre regarde sa montre. Il reste quelques secondes seulement. Va-t-il trouver la bonne trajectoire? Encore une occasion de centrer. L'arbitre siffle, c'est déjà la mi-temps. A tout de suite. C'est reparti. Et attention à la concentration, il faut être vigilant en sortant des vestiaires. Un petit coup d'œil sur la composition des équipes. L'équipe mène et visiblement l'entraîneur n'a fait aucun changement. Vandenborre. Il reprend le ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Attention, il peut marquer. Il tire. Oh non, il ne faut pas gâcher des occasions pareilles. Il n'y a même pas la place pour passer une allumette. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Passe aérienne en profondeur. Directement dans les gants du portier. Il manque vraiment de coordination. Dans l'espace. L'arbitre assistant a levé le drapeau hors jeu. Jolie passe au milieu de la défense. Encore une belle occasion. Bien joué, ça peut faire un contre. Charge irrégulière, coup franc. Qui va le tirer? Le ballon passe derrière les filets, 6 mètres. C'est bien défendu, le danger est repoussé. Oh, que ça va partir vite. Superbe ballon. Ce n'est pas avec cette frappe qu'il va effrayer le gardien. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien. Bien défendu, le ballon est récupéré. Ce score les a complètement libérés et maintenant ils font tourner le ballon. Joe Bryan. Oui, la passe arrive à destination sur l'aile. Bonne maîtrise du goal. La balle est toujours pour eux. C'est bien joué en profondeur sur le côté.
C'était là l'occasion de marquer un but, mais le défenseur a dégagé en corner. Le ballon est travaillé vers le but. Il va pouvoir marquer. Incroyable, après la pause, il continue. C'est le quatrième but magique. Et avant même de recevoir le ballon, il savait où il allait le mettre avec son pied droit. En voilà un autre. C'est donc un doublé. Et à mon avis, il ne va pas vouloir s'arrêter là. Quelle qualité d'attaque, c'est vraiment impressionnant. Ça c'est le match idéal. J'ai jamais vu une équipe autant torturer ses adversaires. C'est un ballon gagné. Denbo. Très bonne maîtrise défensive. Très bonne inspiration sur cette passe. Enkoufo. Ballon renvoyé en arrière. Viela. Bonne action, le ballon est récupéré. Joli appel en profondeur sur le côté. Sans danger pour le goal. Vandenborre. Attention, une action dans l'axe. Le portier le laisse échapper. Hors jeu, aucun doute là-dessus. Et la faute est évidente. Et malgré la pression, c'est du beau football. Les avants font vraiment un travail extraordinaire. Le gardien a le jeu en main. 15 minutes dans la seconde période. C'est une frappe. Le gardien a remis de l'ordre. On joue depuis une heure. C'est bien de la part du défenseur. Viela. Vandenborre. Il donne le ballon au portier. La balle n'est pas passée. C'est chaud pour le gardien. Il l'écarte du point. Sur ce coup-là, le gardien peut vraiment remercier sa défense. La frappe est décochée. Il est hors jeu, c'est une évidence. Sans danger pour le goal. Vandenborre. Il reprend le ballon. Hors jeu, les défenseurs vont pouvoir respirer. Non, c'est pas bien, c'est un coup franc. Il n'a même pas joué le ballon. L'arbitre sort un carton jaune. Il pouvait même peut-être sortir un rouge.
Joe Bryan. Bien joué de la part des attaquants. C'est du bon boulot. Il y a presque une petite touche d'arrogance. Du pied, dégagement sûr. Super interception, très propre. Ils sont partis sur l'aile. Le joueur frappe. Aïe, 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 c'est un véritable déluge de but. Hein. Ça, c'est le but typique de l'attaquant. Efficacité et sans oubli. Arrivée de la race des snipers. Trois buts. Quelle journée pour cet attaquant. Franchement, il sait tout faire. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Et ça en fait 5. On croirait qu'ils sont à l'entraînement. Et s'ils continuent à marquer à chaque attaque, je pense qu'on va avoir un score de rugby à la fin du match. Il joue derrière la défense. Nouvelle occasion de centrer. Va-t-il y avoir but ? Richard Denboom. Et le plus chaud. Et malgré la pression, c'est du beau football. Les avants font vraiment un travail extraordinaire. Oui, le joueur dégage le ballon de la tête. Bonne réaction de la défense. Joe Bryan. Quelle frappe! Directement dans les gants du portier. Vandenborough. Dégagement. Vandenborough. Ça, c'est vraiment du bon boulot. Ah, c'est pas mal joué. Joli. Nous nous approchons du dernier quart d'heure. C'est vraiment trop limite, coup franc. Carton jaune, à mon avis, c'est un peu sévère, mais l'arbitre a voulu montrer qui était le patron. Premier changement de leur côté. C'est simplement un petit changement tactique, car il sent que son équipe en a besoin en ce moment. Vandenborough. Passe profonde interceptée et dégagée par sécurité. Viella. Nous avons atteint les 15 dernières minutes de la rencontre. Il a trouvé le décalage. Il veut marquer. Ballon repoussé de points, corner. C'est un ballon fouetté vers le but. Encore une belle occasion. Superbe ballon. Il tente sa chance. Il peut marquer un but.
but. Mais incroyable, c'est une véritable piquette à laquelle on assiste. Dans la surface, ce genre de joueur se jette sur tous les ballons comme un mort de faim. C'est un renard des surfaces. Chaque minute qui passe est une minute en moins pour marquer un but. Les supporters sont totalement désabusés et il y a de quoi. Wiltshire, il arrive vraiment trop en retard. Ça ne va pas être facile d'ici. Joli dédoublement. Une défense intraitable, superbe. Bien joué de la part des attaquants, c'est du bon boulot, il y a presque une petite touche d'arrogance. Le ballon passe au-dessus. À mon avis, sur ce coup-là, il y a leur explication entre le gardien et le défenseur. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et tu le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Il s'agit du deuxième remplacement pour cette équipe. Et là, sur ce coup-là, il est passé à l'orange. L'entraîneur a bien fait de le sortir. Coup franc pour l'équipe adverse suite à cette faute. Plusieurs options sont disponibles. Il a dégagé. Ils peuvent construire quelque chose. Il peut marquer. Il décoche un tir. C'est trop loin du poteau gauche. Et si la défense lui laisse de l'espace comme ça toute la rencontre, à mon avis, il va pouvoir tirer au but pendant 90 minutes. Centré, remise en jeu du gardien. Encore une belle occasion. Beaucoup trop dévissé à droite. C'est dommage que sur une transversale pareil, on ne trouve personne à la réception. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Il faut qu'il marque ici. Oh oui, en plein dans le mille une nouvelle fois. Oh, mettez-vous deux secondes à la place du gardien. À mon avis, il en a ras-le-bol. Et c'est incroyable que sur son premier ballon il marquait. À mon avis, les adversaires, il n'avait pas vu rentrer. Encore une occasion de centrer. Va-t-il frapper? Et ils obtiennent un corner. En plein cœur de la surface. C'est dommage, il faut rester concentré pour viser le cadre.
peuvent construire quelque chose. Et la défense parvient à dégager. Il prend sa chance. C'est pas si mal, mais ça passe à côté. Et si la défense dort maintenant, ils auront problème pour la sieste. Si tu laisses frapper, heureusement qu'il s'est passé à côté. Indique le tableau. Le ballon approche la ligne. L'arbitre signale la fin du match. Il faut donc rentrer au vestiaire.